I'm fly, I'm so damn high. More than 500 horses when I roll. Ouais, t'as vu, le son est beaucoup plus bas que cinématique en fait. On doit envoyer ça le plus loin possible. Tout est prêt. Trop tard que jamais. Quint, on est prêt. Ok, les commandes de pilotage à distance sont dans la cale. D'où le à distance. Le pont latéral vous mènera à la cale. Oh, t'aurais pu le dire avant. Poisse. Vous vous demandez pourquoi j'ai déployé le régie à Solis ? Oui. De quoi avez-vous peur ? La colère de Dieu. Système de visée satellite. Entrée, l'autorisation. L'heure est venue, O'Brien. Vous qui entrez, laissez toute espérance. Autorisation approuvée. Laser activé. Laser activé. J'ai calculé le temps qu'il vous reste. Je vous envoie ça. Hé, hey, on a une chance au moins. Oh putain, qui vaut merde. Continue. Mourir, s'il te plaît. Non, on aurait dit des Nico, quoi, il essaie de me prendre par derrière. Mon collègue, il a eu mal, mais je m'en branle. Jill, ça craint. Ça commence à chauffer. À chauffer ? Par cœur, on n'a plus le temps. C'est stressant d'avoir un chrono. Non, on n'a plus le temps. Allez, tu veux pas mourir ici, pas vrai? Ah bah c'est sûr que si l'ascenseur met 15 ans... Dépêche-toi, on n'a plus le temps. T'abandonnes jamais.
Mais frère, on doit aller par où? Mais casse-toi, sac à merde, faut que je trouve le chemin, moi! Pas le temps de jouer avec toi. Merde, on a plus le temps. Voilà les commandes. Allez, vas-y. 14 secondes. Ah là, j'ai envoyé Nico en l'air. Je dois faire quelque chose, moi là. Aïe. L'eau, ça mouille. J'ai un seul défaut, je suis trop fort. Précédent de Resident Evil Révélation. On dirait que quelqu'un a trouvé le Queen Zenobia. Alors vous n'avez pas changé. Honnêtement, un bon 8, sachant que c'est un jeu qui a 10 ans. C'est par défaut alors. Salaud. C'est toute espérance. J'ai l'impression de revivre tous mes pires cauchemars. La justice divine va purifier la terre. Vos solutions unilatérales vont donner naissance à un nouveau Veltro, voire à plusieurs. Oui, c'est un risque. Les hommes comme nous existent grâce à ce genre de groupe. Épisode 8. Nous devons régler le problème immédiatement. Les enjeux sont beaucoup trop importants. Saluti. Vous êtes un naïf. Juste un humaniste sans but. C'est une cause perdue, directeur O'Brien. Moi, je trouve ça kiffant, moi. Aucune idée, Nico. Réfléchissez bien, directeur. Vous pourriez le regretter. Oula, ça menace. Bon sang, vous ne changerez jamais, Morgan. Mais une fois la vérité dévoilée, vous ne pourrez plus reproduire ce genre d'erreur. Mmh.
Bah, franchement, graphiquement, pour un jeu qui a 10 ans, il est pas mal, hein. Et sachant que c'est le premier et que je vais faire les suites, le niveau graphique va encore s'améliorer. Oula. Ah! Vite, on n'a plus le temps. Ah bah ouais, ça aurait été trop simple. On doit trouver une autre issue. L'eau monte. On n'a pas le choix. Il faut sortir d'ici. Tu vas prendre ici? Non? Il a dit une autre issue. Je vais encore la trouver, mec, ton issue, hein? Petit coquin. Dégage ma route, espèce de toi. Donc là, c'est par où on est monté, ça? C'est par là. Là, elle a pas envie de nager, donc il sait rien faire. Ok. Je parie que c'est une connerie, hein. Il doit y avoir une connerie. Non, c'est pas où on est venu, ça, non. On est venu par là, non? Je suis même pas sûr, c'est par là qu'on est venu. Bon, écoute, on va faire le tour, puis on recommencera. Hein. Ah là là, il y a des munitions là.
est coincé. Essayons de traverser la cale pour trouver une issue. Tout prend l'eau et on est à la dérive. Le bateau est perdu. Jill, écoutez-moi bien. Le bateau est perdu. Et on ne peut pas laisser le virus contaminer la mer. Jessica et moi, on se dirige vers le Queen Zenobia. Tenez bon. On vous recontacte bientôt. Restez en vie. Terminé. C'est marrant, il y a des caisses à péter, tu sais pas les péter. C'est sans gentil, hein. Faut pas oublier de remonter pour l'air, hein, parce que sinon tu meurs après. Je crois qu'on n'a pas le choix d'aller vers les petites bébêtes là. C'est un cadastre. Le chemin Attention, dans tous les cas je dois aller où il y a l'autre bestiole à mon avis. C'est pas là qu'il faut que j'aille, mais dans tous les cas on va y aller. Hein. Il y a trop de munitions à mon goût par contre. Peut-être m'a fait peur toi. Gueule là. Ah c'est ça, on dirait Améliorance d'Alien là. Je sais pas combien de temps je peux rester sous l'eau, mais gros!
normalement, non? Phineas. Donc là, on ne sait pas aller. Casse-toi ton chemin, toi, espèce de toi, là. Sauvegarde, ça pue la merde, hein. J'ai rien du tout. Mais je venais de reprendre de l'air, non? De toute façon, ça devait sauvegarder techniquement. On doit pas être trop loin là. Non, ça va. Ah mais c'est ces connards qui m'empêchent de respirer en fait. Ils vont refaire la même, ces connards, putain. Non! Ils sont trois, ces sacs à merde, là. Ici Chris, vous allez bien? Ouais, ouais, Chris. Oui, ça bien. Va. Mais le bateau coule vite. On approche du Queen Zenobia. Rendez-vous dans le hall du navire. Bien reçu, on vous attend. Ok, à tout de suite. Terminé. On va garder le fusil à pompe. Oh là là. Je trouve qu'il y a beaucoup de munitions. Un euro 46 du litre.
Mais c'est parfait ça. J'ai bien compris que ces espèces de merde fallait les éviter. Ça va, 1,46€ du litre, c'est pas cher hein. Combien c'était il y a 3-4 ans d'ici 30 cents non, c'est pas ça. Faut arrêter de dire que l'État nous baise, hein, c'est pas vrai. C'est l'ironie, calmez-vous. Hein. Ah ouais, 50 cents, ça va bien, ouais, ouais. On se fait baiser par l'État, rien de nouveau, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de scandaleux là-dedans? On a une certaine habitude de se faire fister. Ah, coucou, mon Blackinou! Se faire fister par l'État, c'est une habitude, hein. Mais c'est qui, ça, maintenant? Ah, ok. En vrai, Nico, je me demande combien il y a de missions, parce que... Il y en a certaines qu'il faut 10 minutes, d'autres 1 heure, d'autres 5. Aïe. Bon, ça va, on essaye d'avancer sur le jeu, frère. On approche du Queen Zenobia. Rendez-vous dans le hall du navire. Compris. Ok, à tout de suite. Terminé. On y est. Le Queen Zenobia. Et toi, la journée, pas trop crevante, Black ? Mince. Ou plutôt ce qu'il en reste. Sois prudente. On a de la compagnie. Soyez prudent. Oh, nice ! On va jouer qu'une batteuse, quoi. Enfin, j'espère. C'est ma bite! Reste concentré, il n'abandonne pas. On fait le tour, attends-toi! Contre ma bite. Ah!
tard, on se ravire. Trouvons un endroit pour aborder le Zenobia. Ok. Ah, c'était chaud, hein? L'eau, ça mouille, hein, attention. On peut aborder ici. Jessica, on a une promesse à tenir. Allons-y. Oh, super, une croisière. T'as pas oublié une partie de ton maillot, toi, non? Très chers agents du BSAA, vous avez arrêté le Régia Solis. Je vais donc vous révéler ce que je sais. Vous saurez tout sur le Queen Zenobia et les secrets qu'il renferme. Quels secrets? Réfléchissez. D'abord, pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour découvrir le Queen Zenobia? Comment a-t-il pu naviguer sur la Méditerranée sans être détecté? Pas par magie. Ensuite, pourquoi Veltro a disparu sans laisser de traces après la panique de Terra Grigia? Et pourquoi vous ne nous le dites pas? Et enfin, pourquoi quelqu'un utilise le Régia Solis pour détruire le Zenobia? Les réponses à ces questions vont vous faire découvrir une vérité dérangeante. Vous auriez pu trouver... et ça... Ah! Ok. Jessica! Mais pourquoi t'as tiré? Pour protéger nos hommes. C'est pas ce qu'on doit faire? T'as pas intérêt à crever! Non. Vraiment? Mais pourquoi? Pourquoi te faire passer pour Veltro? Je m'y attendais pas, celle-là. Qu'est-ce que t'essaies de dire? Découvre la vérité sur Terra Grigia. Bah, Raymond est mort, je crois. Précision 15%, c'est... Oh, putain, je suis un génie. Deux minutes la mission, ça va? Quelle terrible perte. Putain. Je viens de me rendre compte que la femme en maillot de bain et l'autre femme, c'est pas les deux mêmes. Ce bateau n'en a plus pour longtemps. Chut. On peut pas laisser ce virus contaminer la mer. Personne n'a rien vu. On a déjà fouillé le Queen Semiramis. Je crois que je sais où se trouve le labo. Allez, on y va. Ok. Je vais essayer de trouver un moyen de ralentir le naufrage. Jessica, tu me suis? Il va essayer de trouver un moyen de ralentir le naufrage. Il a trouvé des rustines de 5 mètres ou quoi? C'est le changement de partenaire. Compris. On s'occupe du virus. Essayez de gagner du temps. Ok. Jill, ça fonctionne partout, même sous l'eau. Ça devrait les ralentir. Merci, Chris. Autre chose, j'ai repéré les emplacements possibles du labo. Il a même pas compris. Quel nul. Là, il est peut-être déjà pris, Jessica. Alors Raymond était derrière tout ça? Non. Je pense qu'on ne connaît qu'une partie de l'histoire. Beaucoup de points de cette mission restent encore à éclaircir. On est censé aller où, là, en fait? Rejoindre le labo? Hop là! Non, parle par là, frère. Ta mère, on essaiera le grenade quand on aura le temps. Hein.
4 pour aller au labo. Attention, l'eau grouille de créatures infectées. C'est compris. Bah ça, on l'avait déjà remarqué, frère, hein. Toi aussi, tu sens qu'il va y avoir un zombard bientôt? Ah. Je suis baisé, j'allais par la flotte en fait. Dis ta mère, je te braille, frère. Hop là. Mais merde. Tiens, prends ça en ta gueule. Et vous allez me faire crever. Ça va flou. Ouais, ça va être foutu. C'est la quatrième que je mange, je suis mort. Le jeu était gentil, parce que je devais mourir à tous les coups. Putain, mais y a pas moyen de les esquiver, hein. Juste devant. Et mon pote, il part sans moi, il me ferme les portes à la gueule, mais il est pas méchant, c'est lui dans le fond. Non, en vrai, c'était un chouette gars à la base, hein. Mais c'est ça, c'était avant. Regarde, hop là, il est déjà pas. Ça va, ça te dérange pas, je te fais pas trop chier en ta vie, mec. Jill, et c'est ça. J'ai trouvé cette clé sur le Semiramis. Si les bateaux sont identiques, le labo doit être par là. Waouh! C'est le moment où je prends le fusil à pompe en main. Reconnaissance digitale. Ça fait peur quand même, hein. Enregistrement de l'empreinte. C'est aussi simple que ça? Enregistrement de l'empreinte terminé. C'est trop simple. Quelle connerie, quoi. Veuillez entrer dans la chambre de stérilisation un par un. Chambre stérile, t'as cru que j'allais accoucher ou quoi? Pas celle-là, ça. Stérilisation en cours. Veuillez patienter.
Mais qu'est-ce que... Je pense que c'est la... ça va être la merde. Chef, y'a un problème là. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Jill! Attention! Attention! Jill, viens te chercher! La procédure est terminée. Veuillez attendre l'ouverture des portes. Eh bien, il a un bouclier, ce connard. Ça va les doubler le reste, Thomas, sale merde. C'est bon, je vais bien. On va bien, on va bien, on va bien. Calme-toi, frère. Hein. Bon, c'était un micro-boot, ça va. C'était un boot, c'était un cam, quoi. Un mice, je voulais dire. Bonne soirée, Laura. No. Pourquoi essayer de cacher ce labo sur un bateau de croisière? C'est une couverture parfaite. Qui chercherait ici? C'est vrai. J'espère qu'on va finir par comprendre ce qui se passe. Mais quoi? Dans quoi est-ce qu'on s'embarque en cours là? Le virus est là, quelque part dans ce laboratoire. Alors voilà le secret du Zenobia. Le secret du Zenobia. Ah! Je sens que ça va être la merde là. Il va y avoir un big boss. Bon, on va arriver à l'épisode 9, là.